Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes au Parlement européen avec Virginie Geron. Virginie Geron, vous êtes députée européenne du Rassemblement national. Bonjour. Et nos éditeurs vous connaissent évidemment pour vos combats sur le Covid et sur les sujets numériques. Alors cette semaine, il y a eu évidemment ces votes importants à l'Assemblée nationale sur le pass sanitaire. On a vu la réaction de Marine Le Pen sur BFM. Et comment avez-vous vécu ce vote important où les oppositions se sont réunies justement pour voter ensemble contre ce texte? C'est une première victoire et je suis très heureuse du résultat. Et je félicite tous nos députés de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, qui se sont mobilisés et qui ont porté ce sujet haut, avec des débats intéressants. Et je suis heureuse de voir que quand le peuple vote, le peuple gagne. Donc très heureuse parce que c'est un sujet, on l'avait déjà évoqué, on l'a combattu ici au sein du Parlement européen, donc des mesures liberticides qui sont en train d'être remises en place et effectivement ce résultat est une première victoire et je pense que ça va être tout le long de cette mandature pour ces nouveaux parlementaires d'imposer un débat, d'imposer une nouvelle vue et donc je les félicite encore pour ce résultat. Alors, cette semaine, c'était aussi à Bruxelles un événement important. En même temps, en fait, c'était qu'on avait effectivement cette nouvelle séquence de la commission d'enquête sur le Covid au Parlement européen, avec encore une fois des grosses pointures, si on peut dire, puisqu'il y avait Andrea Hamon, la directrice de l'ECDC, cette agence peu connue, cette agence européenne qui est chargée du contrôle des maladies infectieuses et donc des pandémies. Alors, qu'est-ce qu'on a appris lors de cette audition ? Alors, c'était vraiment intéressant de voir que nous étions dans un temple sur la vaccination, avec pas du tout de possibilité d'avoir un avis critique, puisque dès que nous avions une position un peu divergente ou critique, on nous taxe de désinformation. Donc je regrette que cette commission, finalement, ne permet pas un échange équilibré. Donc on a appris certains éléments, comme le fait que Mme Hamon dise que, dans un premier temps, aujourd'hui, les plus de 60 ans à risque devrait effectivement avoir sa quatrième dose. Pour le reste, pas encore. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je crois qu'en France, aujourd'hui, le discours n'est pas très clair. Et puis aussi, on a appris qu'ils souhaitent un nouveau vaccin pour la rentrée à l'automne parce qu'effectivement, depuis 2 ans, c'est le même vaccin pour tout le monde. Et ils considéraient, à une question précise d'un autre membre du Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 60 ans et qui aurait des risques, est-ce qu'elle fait aujourd'hui un vaccin avec l'ancienne souche ou elle attend au mois de septembre? Et donc la réponse était, il faudrait faire les deux. Donc voilà, c'est pas très clair, c'est pas justifié, parce qu'on attend toujours des études scientifiques, on ne les a pas eues. Et les échanges, en fait, étaient, vous posez une question et en fait, ils répondent à côté. Donc, mais on le savait, hein, cette commission est intéressante, mais en même temps, on se voit bien qu'au fur et à mesure de ces réunions, il y a une ligne à tenir, il y a une stratégie, il y a un calendrier, et toute position un peu divergente, ou même des questions un peu pointues. Moi, j'ai posé la question sur le Valneva. Tout le monde l'attend parce que c'est un vaccin qui est nouveau et qui ne contient pas cet ARN messager, donc un vaccin traditionnel. On a suivi le dossier parce qu'on a vu qu'il y avait à un moment donné une commande de la part de la Commission. Après, elle a souhaité le résilier. Après, il y a Pfizer qui a racheté Valneva et maintenant, il y a une autorisation. Mais pourtant, le directeur de l'ERA n'était pas au courant. Il nous a parlé que de 4 propositions, Moderna, Pfizer, IPRA, alors je ne connaissais pas, et Sanofi. Par contre, Valneva, pas du tout d'informations à ce sujet. Donc je regrette effectivement que nous ayons eu aucune réponse à ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, donc, d'une part, on a eu la première audition avec effectivement la directrice de l'ECDC, oui, qui nous a parlé de quelles étaient les catégories qui devraient prendre le vaccin. Donc, et ce n'était pas très clair. La seule chose qu'elle nous a dit, qu'il n'y avait pas d'avantage, oui, pour les personnes qui avaient moins de 60 ans, c'est sans ça, risque. Il n'y avait pas d'avantage à faire une dose maintenant. Aujourd'hui, donc, ça, ouais, c'était quand même. Ça, c'est intéressant parce que, c'est, comme je l'ai dit, chaque État membre est en train de mettre en place sa propre stratégie. Et là aussi, ce n'est pas encore très clair. Et après, donc, on a eu quand même un peu le sentiment qu'on parlait d'une cinquième dose en décembre, c'est-à-dire qu'il y aurait aujourd'hui, oui, un conseil pour se faire vacciner
pour les personnes à risque, âgées, ouais. Et qui, on a parlé d'une cinquième dose en décembre, en fait, c'est ça. Puisqu'ils attendent un nouveau vaccin. Puisqu'ils attendent un nouveau vaccin. Voilà, et c'est ce qu'ils ont demandé d'ailleurs. Une des questions, c'était, bon, ils ont commandé beaucoup de vaccins. Ils se retrouvent avec un stock énorme, et on l'a vu en France, hein, on est en train de jeter des stocks qui sont périmés. Donc ils ont fait des amendements pour demander au laboratoire de suspendre ces livraisons et en même temps demander un nouveau vaccin à la rentrée. Donc oui, à la rentrée, il y aura certainement la cinquième dose avec ce nouveau vaccin. Oui, donc après, donc André Hamon, effectivement, on a auditionné... Pierre Delceau, qui est donc ce nouveau responsable de cette nouvelle agence ERA, HERA, qui s'occupe donc des achats ensemble pour la commission, et donc qui nous a parlé de ces doses aussi qu'ils essayaient d'envoyer dans des pays étrangers, parce qu'on avait trop de doses. C'est qu'ils ont passé une commande gigantesque, ils se retrouvent avec des États membres qui n'en ont plus besoin, ils se retrouvent avec un stock à écouler, et une des questions c'est qu'est-ce qu'on fait de ces doses. Donc ils essayent, il l'a dit, hein, ils essayent de les envoyer en Afrique, mais les pays africains n'en veulent pas. Et donc, ils se retrouvent coincés avec ces milliards de doses qui vont être obligés de jeter. Et en fait, l'impression que j'ai eue dans ces échanges, c'est qu'ils regrettaient la posture des pays africains, alors qu'on leur donne gratuitement tous ces vaccins, tous ces lots. Ils regrettent qu'il n'y ait pas derrière, une acclamation. C'est vrai qu'il y a eu... une acclamation et une joie de recevoir ces doses. C'est vrai qu'il y a eu cette phrase étonnante quand il a dit « on passe nos nuits et nos jours pour essayer de leur donner ». Exactement. C'est vrai que c'est révélateur du fait qu'ils n'en ont pas besoin. On a beau leur envoyer ou vouloir leur envoyer à promettre monts et merveilles avec ce vaccin, ils n'en veulent pas. Et en plus, c'est gratuit. Ouais. Alors, en revanche, il y avait quand même un point positif, c'est qu'il a promis une transparence totale. Ben oui, alors ça, alors qu'ils nous transmettent les contrats d'achat initiaux. Ça, c'est toujours pas d'actualité. Ouais. Alors qu'on nous transmette aussi les SMS d'Ursula von der Leyen. Donc, d'un côté, on nous vend la transparence dans ces petits comités, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Et c'est faux. Comme je l'ai dit, on le voit avec les contrats, on le voit avec les SMS. Là, ils ont passé un contrat pour l'achat de vaccins contre la variole du singe. On n'a pas les contrats. Donc, d'un côté, on nous dit oui, plus de transparence, on a compris le message, mais concrètement, on n'a pas de résultat. Alors, le troisième point de cette audition, c'était l'audition en fait, des responsables nationaux. En France, Jérôme Salomon, mais on avait aussi les responsables grecs, autrichiens, portugais, donc pour leur pays, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ces auditions? Alors, moi, j'ai posé deux questions. Une qui s'adressait à Jérôme Salomon, qui était donc le directeur général de la santé pour la France, et la seconde question auprès du docteur Portugal. Parce qu'effectivement, moi, il y a la question, et on le voit, elle est toujours d'actualité, c'est sur la vaccination des enfants. Puisqu'effectivement, ça fait partie du calendrier au niveau de Bruxelles. Donc, il était important de savoir... avec les études qu'il y a en cours, il y en a très peu, quelle était leur perspective du bénéfice-risque par rapport aux enfants? Effectivement, cette question, je l'ai posée à la docteure, à l'épidémiologiste belge. Et effectivement, même elle se disait que pour la rentrée, il fallait remettre des mesures en place en cas de pandémie, parce que de toute façon, ce qui était, d'un commun accord, à la rentrée, à l'automne, il y aura un nouveau variant, il y aura une nouvelle pandémie, donc il faut mettre en place les mesures pour la rentrée scolaire. Et donc, la question, c'est, il y a des mesures préventives, il y a des mesures à mettre en place dans les salles, l'aération, il n'y a pas de problème, ça, on valide. Par contre, la question, c'est la vaccination des enfants, qui aujourd'hui, effectivement, est très faible. Certains États membres ont commencé à prôner une stratégie de vaccinale sur les enfants, mais ce n'est pas encore acté. Et donc, c'était intéressant de voir que cette femme n'était pas convaincue, puisqu'elle disait qu'il fallait attendre la rentrée. Mais en même temps, j'ai envie de dire, dans le plan stratégique de la Commission, ils demandent à chaque État membre d'inciter à la vaccination des enfants. Donc, on n'a pas appris grand-chose, mais c'est vrai que là, pour le coup, sa posture démontrait que ce n'était pas un acquis.
Donc c'est intéressant. Pour M. Salomon, la question c'était de savoir un petit peu le lien, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec, après un an, il y a des effets secondaires. Donc la question c'était de savoir comment en France, ils répertorient et après ils alertent et ils se mettent en relation pour dire à un moment donné, voilà, il y a trop de problèmes avec ces vaccins, quel est le suivi, est-ce qu'ils réagissent? Et donc sa réponse a été complètement biaisée, mais ce n'est pas étonnant. En plus, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'obligation vaccinale en France. Pardon, il y a l'obligation vaccinale pour les pompiers, pour les militaires, pour les aides-soignants. Donc il y a eu, soit on a des réponses à côté, soit en plus, là, pour le coup, c'est un vrai mensonge. Il y a l'obligation vaccinale en France et je regrette effectivement qu'il ait dit ça devant nos collègues, alors que c'est, on le sait, en France, faux. Et alors, il y a eu ce passage assez étonnant, en fait, où la responsable autrichienne a parlé de du projet de loi qui a eu lieu en Autriche de vaccination obligatoire. Mmh. Et elle a avoué, ou en tout cas raconté, que la Commission européenne, ici à Bruxelles, aurait intimé à l'Autriche de mettre ce texte à la poubelle, en fait. C'est étonnant. C'est étonnant et en même temps, c'est normal. Parce qu'en fait, je pense, quand on voit les contrats, quand on sait qu'en fait, et maintenant tout le monde le sait, qu'on est dans une phase clinique 3. Et c'est ça toute la problématique. C'est que c'est une autorisation conditionnelle. Et que tant qu'il n'y a pas cette autorisation définitive, comme elle l'est pour Valneva d'ailleurs, eh bien, c'est la responsabilité qui sera engagée est problématique. Là, pour l'instant, les responsabilités sont noyées. Donc, je pense que c'est pour cette raison que la Commission a refusé à l'Autriche son projet de loi sur l'obligation vaccinale. Mais c'est intéressant, effectivement, maintenant, de poser concrètement cette question à la Commission. Quels sont les arguments? Puisque ça nous aiderait pour argumenter si demain, et même aujourd'hui, en France, il y a cette obligation vaccinale auprès d'une certaine population. Alors, par rapport à la Grèce, il y avait une autre déclaration qui a été un peu choc. Oui, il nous a dit, je cite, « Les tests dans le nez vont devenir une partie de notre vie ». Bon, voilà, c'était dans leurs acquis et qu'il fallait vivre avec. Ce que je regrette aussi, c'est qu'ils n'ont pas parlé de la volonté de créer, d'étudier des nouveaux traitements, parce qu'on n'a parlé que de vaccins hier, toute la journée. C'était la journée dédiée aux vaccins. On ne parle pas des traitements peut-être qui devraient être mis en place, on ne parle pas assez des mesures de prévention. Et en fait, c'était assez fatigant de voir que tout est axé autour du vaccin, toute leur stratégie. Et ça me fait penser que quand j'ai posé la question au docteur Portugal qui représente en plus le Portugal, je lui ai dit, voilà, vous êtes le meilleur élève de l'Union européenne. À 98%, les gens sont vaccinés au Portugal en janvier 2022. Donc, un modèle pour les autres pays qui sont entrés dans cette stratégie. Donc, meilleur élève pour la vaccination. Et aujourd'hui, ils ont le cas de plus de Covid actuellement. Donc la question, c'est pourquoi ces résultats? On a un taux de vaccination énorme et en même temps, on a une contamination énorme en ce moment. La réponse n'était pas non plus claire. Et puis j'ai posé la question, comment ça se fait qu'après 4 doses, voilà, on a encore ces résultats 6 mois après cette campagne de vaccination au Portugal? Donc voilà, donc on a eu cette audition, un des gros sujets de la semaine. Et on avait aussi une autre actualité pour vous. Donc c'était ce rapport détonnant de la Commission européenne sur la publicité politique. Oui, des partis politiques. En fait, ils sont en train de mettre en place une nouvelle législation parce qu'ils ont considéré, et c'est ça qui est marrant et en même temps, ça démontre bien qu'ils ont un problème avec la démocratie. Et juste pour finir avec ce comité, hier, donc, nous avons eu toute la journée une espèce d'échange. Et même ces échanges où on pose une question, on a une réponse, même si elle est à côté, après, en conclusion, la présidente souhaite reformater ce format de réunion parce qu'elle considérait qu'on était trop libre. Mais donc, c'est vrai que les interventions déjà sont assez courtes, une minute, alors deux les minutes, interventions ouais. sont courtes, comme les questions ne leur plaisent pas, ils veulent encore modifier nos interventions parce que nos questions ne plaisent pas. Donc ça démontre
ce problème qu'a le Parlement de, avec la démocratie, le fait qu'il faut qu'ils travaillent avec nous, parce qu'effectivement, on représente un autre parti, on représente une autre vue, et ça leur pose problème. Et pour en revenir avec ce dossier, ben, c'est exactement la même chose. C'est un dossier pour un petit peu brider, contrôler les partis politiques dans leur publicité. Et en fait, le préambule de cette législation, c'est quoi? C'est on ne veut plus de Brexit et on ne veut plus de Donald Trump. Et comme ils ont eu peur avec ces deux élections des résultats, ils se disent plus jamais ça, il va falloir aujourd'hui qu'on fasse une législation pour contrôler ces partis, pour les limiter dans leur communication, parce qu'ils considèrent qu'effectivement il y a eu une campagne lors de ces campagnes électorales qui a été biaisée. Et en fait, quand on regarde de plus près ce dossier, c'est intéressant, le moindre message d'un homme politique peut être considéré comme une publicité. Ça va très loin, ce qui veut dire que moi maintenant sur mes réseaux, parce que je fais de la politique, ça va être considéré comme publicité. Et si je ne rentre pas dans ce cadre, je vais être sanctionnée. Donc là, ça va très loin. Je l'ai dénoncé lors de cet échange. Et en plus, on voit bien, et je l'ai rappelé, ils veulent mettre en place cette nouvelle législation avant les élections européennes de 2024. Et c'est une législation qui s'appliquerait donc nationalement, au niveau européen ? Alors au niveau des élections européennes, ça c'est clairement identifié, mais aussi pour toutes les élections, et notamment nationales. Donc là, ils vont très loin dans l'interventionnisme, j'ai envie de dire. Et encore une fois, ça touche à la souveraineté des États, et ça va trop loin. Et est-ce que les élections locales, régionales aussi sont concernées Oui, elles sont concernées dans cette proposition de législation. Donc c'est pour ça que ça va être un travail de longue haleine, avec un rapporteur macroniste qui effectivement, lui va suivre sa ligne. Et ça va, je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de ces questions. Et j'espère que je serai soutenue par d'autres députés. Oui, surtout que bon, la désinformation, qui met le curseur? Alors le problème, c'est qu'ils parlent tous de la désinformation. Mais à aucun moment, ils la définissent. On ne sait pas ce que c'est, la désinformation. Finalement, ça peut être une opinion divergente, une pensée divergente. Pour eux, ils considèrent que quand vous n'êtes pas dans une certaine ligne, vous faites de la désinformation. Et moi, je leur ai demandé, soyez clairs, définissez ce que c'est de la désinformation. Et après, peut-être, on pourra débattre de la question. Mais ça, cette question, il n'y en a aucun qui a pu répondre. Merci Virginie Joron. Vous vouliez terminer par un message positif parce que c'est un peu la période des vacances qui s'ouvre. Ben oui, effectivement, le soleil est là, les vacances arrivent. Je pense que le bilan est quand même assez positif. Je vois qu'on a commencé le début de semaine avec cette annonce, cette victoire, où il y a eu deux informations très importantes, où le pass sanitaire, nos collègues l'ont déplacé de 12 ans aux enfants à 18 ans. Le fait qu'on ait finalement cet article 2 sur le pass sanitaire, où on voulait mettre en place de nouveau le pass sanitaire aux frontières, n'a pas été accepté. Donc voilà, le bilan positif, il est là. Je suis très contente de ce résultat. Ici, au niveau du Parlement européen, nous sommes nombreux à partager ce combat. J'ai beaucoup de soutien. Là encore, ce matin, je viens de recevoir un courrier d'une Allemande qui, malheureusement, a beaucoup, depuis sa vaccination, des effets secondaires et qui me demande où en sont nos résolutions, puisque nous avons déposé des résolutions pour demander un fonds d'indemnisation. C'est vrai que là aussi, on n'en a pas parlé, mais à ce stade, on n'a pas de résultat. Mais voilà, moi je reste positive, nous sommes de plus en plus nombreux, je remercie toutes les personnes qui m'appellent, qui m'envoient des emails, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus nombreux. Et voilà, ces vacances vont nous permettre de nous retrouver, de partager avec nos amis, avec notre famille, de nous remettre en forme pour la rentrée, parce qu'elle va être, comme on le sait maintenant, elle va être compliquée avec toute cette stratégie qui va être de nouveau remise en place. Donc il va falloir être en bonne santé, hein, pour le coup, fort et déterminé. Et puis je vous remercie en tout cas pour tous vos messages et je vous souhaite de très très bonnes vacances.